L'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique organise, depuis ce jeudi 20 avril 2017, la deuxième édition de son forum à Abidjan. Un forum pour définir la stratégie gagnante pour Tokyo 2020. Pour rappel, en avril 2013, Abidjan avait accueilli la première édition de ce forum pour définir la stratégie pour Rio 2016. Ce rendez-vous avait été initié compte tenu du fait que l'Afrique était rentrée des Jeux de Londres avec un faible résultat, soit 35 médailles en tout. Pour ce deuxième forum, l'ACNOA s'est penché sur deux thèmes: évaluation de la performance de l'Afrique aux Jeux Olympiques de Rio 2016 et les prétentions de l'Afrique pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ce forum s'est clôturé ce vendredi. On retiendra qu'en plus de la stratégie mise en place à ce forum, l'ACNOA a entrepris de soutenir un total de 154 athlètes de haut niveau. Cette initiative va accroître les chances d'engranger plus de médailles qu'aux précédentes éditions des Jeux Olympiques. Il a été aussi recommandé de commencer la préparation des sportifs au niveau continental plus tôt pour permettre d'espérer davantage de sportifs et sportives.